Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation du robot de brasage Helmotech. Avant toute chose, je me présente, Denis Massard, commercial pour la société CPLEC. La présentation va se dérouler en deux étapes. Premièrement, un descriptif de l'ensemble des équipements embarqués sur le robot de brasage SolarSmart. Et la seconde sera la réalisation d'un programme et son déroulement. Pour démarrer, sa grande surface de travail qui est constituée de deux plateaux indépendants ou éventuellement un seul plateau. La surface complète de travail est de 380 mm par 480 mm. Les mouvements de la machine sont réalisés à l'aide de 5 axes électriques. L'axe Y, l'axe X, axe Z' pour le fer à braser, axe Z pour la tête, et l'axe de rotation, l'axe C. L'axe Z du fer à braser permet de garantir une pression constante au niveau des points à braser. D'autre part, il est possible de régler l'angle du fer à braser ainsi que l'angle d'amener du fil. Nous voyons ici également la station de nettoyage. D'autre part, sur la gauche, vous voyez ici la station de calibration du point zéro ainsi que de la mesure de la largeur de panne. C'est-à-dire que lorsqu'on change la panne ici, on va refaire une calibration pour avoir un positionnement précis. Sur la tête de brasage, nous avons également un pré-équipement pour l'extraction des fumées. Donc, comme vous le voyez, la buse d'aspiration est au plus près du point de brasage, ce qui permet une évacuation optimale des fumées. Dernier élément de la tête de brasage est le dérouleur de fil haute précision. En standard, la machine permet d'utiliser du fil de 0,8, 1 et 1,2 mm. D'autres diamètres sont également possibles. L'avance de fil est gérée grâce à deux encodeurs numériques. Une caméra 2D pour l'aide à la programmation. Machine facilement transportable à l'aide des poignées de transport. Le panneau de contrôle avec une connectique USB et également connectique à l'arrière avec un port HDMI, RJ et RS. L'ensemble du SolarSmart est piloté par un PC industriel situé dans la trappe technique. Donc, plusieurs options possibles que l'on peut ajouter au SolarSmart. La machine peut être équipée d'une hotte ESD avec la connexion adéquate, un châssis sous roulette pour une mobilité accrue. Thank you.
Des éclairages LED, caméra pour une assistance à la programmation, scanner pour l'aide à chargement des programmes et une aide à la traçabilité, simple ou double tiroir, et pour terminer, un écran tactile. Merci d'avoir suivi la présentation de notre nouvel équipement Soldo Smart. Mon collègue Olivier va maintenant vous réaliser un programme de démonstration.